Allez Nicky, c'est le moment, faut y aller, allez, il arrive. Ah non non non, je crois que c'est vraiment pas une bonne idée, c'est la goutte d'eau là. Déjà que j'ai l'impression qu'il m'aime pas beaucoup. Mais si, t'adore, c'est juste qu'il est un peu rigide, ça n'a rien à voir avec toi. Allez, on en prend juste un, il le verra pas. Mais t'es sûr? Je crois qu'il va nous engueuler. Non t'inquiète, je le connais, Boubou, pas de soucis, allez, tiens. Oh mais j'ai si peur. Oh, moi aussi, mais c'est si bon, tu verras, ça vaut le coup. Super mauvaise idée parce que déjà il passe son temps à me demander quand est-ce que je pars. Alors vraiment j'ai l'impression qu'il me déteste. Mais non, il a juste besoin de tout contrôler, les plannings, n'importe quoi. T'inquiète pas, c'est pas personnel. Boubou, il peut faire un peu peur comme ça, mais c'est pas non plus un amour, c'est pas besoin d'avoir. Mais pourquoi vous criez comme ça? Vous voulez vraiment qu'on ait des problèmes avec les voisins ou quoi? Non, 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 pardon, c'est juste qu'on faisait un exercice vocal et c'est Nicky qui m'a appris ça. Tout à fait, tout à fait. En fait, aujourd'hui, j'étais allée à l'école de théâtre et j'ai appris un nouveau exercice vocal révolutionnaire. Génial. Mais d'avant, hurler, ça fait du bien à la corde vocale. Ah non, mais parce qu'il faut d'abord expulser le son comme ça, Nicky, n'est-ce pas? Et ensuite... En fait, c'est une façon de libérer ses cordes vocales pour pouvoir placer la voix et pouvoir chanter comme ça. Ça va les cassatrices, hein? Vous allez pas faire un concert à ce que je sache et vous allez encore nous faire virer. Non, pardon, Boubou, c'est vrai, je sais pas ce qui nous a pris là. Non. Bon, passons. Aujourd'hui, j'ai fait mes délicieux cookies. Oh, les cookies de Boubou. Tellement beau. Quelle surprise. Boubou, il est où le café? Pas le café. Ah bah j'y vais, j'y vais. Non, Nicky, laisse, je vais le faire. Mais vous, pas touche aux cookies, hein? Ah non. Alors, non, là, non. Si quelqu'un a touché un cookie avant que j'arrive, promis. Et aura une fessie. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. Pas de panique, pas de panique. Je sais. J'ai fait une crise d'hypoglycémie fulgurante et toi tu me soignes en me bourrant de cookies. Mais c'est beaucoup trop. Mais je sais, mais on n'a pas le choix, il arrive, allez. Oh mon dieu. Mais qu'est-ce qui se passe, Gigi? Il a fait une crise d'hypoglycémie fulgurante et je dois lui donner deux gâteaux pour lui sauver la vie. Deux gâteaux? Ah bon? Oui. Mes gâteaux pour une crise d'hypoglycémie. Ah oui, Boubou, mais ça va mieux, Nicky m'a soignée. Elle m'a sauvée, Boubou. Merci, Nicky. Eh ben, de rien, c'est normal. Mais dis-moi... Depuis quand t'as ces crises d'hypoglycémie? Oh, mais depuis longtemps, Boubou. Je voulais pas t'en parler pour te préserver. Nicky savait. Oui, je suis la seule à être au courant. Ah bon? Mais raconte-moi, t'as fait comment pour lui enfourner deux cookies dans sa bouche? Boubou, c'est bon maintenant, là. Tu vas pas la mettre mal à l'aise? Déjà qu'elle m'a aidé, c'est déjà un traumatisme pour moi. Qu'est-ce qu'on s'en fiche des détails? Eh bah écoutez, là, ça suffit, là. D'accord? On va prendre ce goûter, il y a des soins de sucre. J'ai besoin de sucre, oui. Oui, mais moi j'ai besoin de savoir. Mais goûtons, Boubou, goûtons et on verra après. Non, mais racontez-moi. Un café? Un cookie, Boubou. Un cookie. Oui, oui, d'abord un cookie. Bon, oui. Goûte ton cookie quand même, comme dedans. Alors?